passagers du vol Air France 94 à destination de San Francisco sont invités à se présenter porte F pour un embarquement immédiat. Bonjour, un cappuccino s'il vous plaît. Ah non, et t'étais où? Je t'ai cherché partout. René, tu sais très bien que je n'embarque jamais sans avoir pris de quoi me cultiver. Un public, voici, et l'express. T'es con, c'est Closer. T'aurais pu m'attendre, hein, pour que je me faisais fouiller comme une malpropre. C'est pas de ma faute si tu plais aux lesbiennes qui font les palpations. Hé, hey, il est pas mal le barman, non? Mais t'es pas bien, toi. Bah quoi? Bon d'accord, il a l'âge d'être mon père, mais tu sais bien que j'aime les hommes mûrs. Et puis il a un côté assez sexy, ténébreux. Ah ouais? Mais qu'est-ce que tu trouves sexy? Ses poils de nez de 10 cm ou l'odeur de son déo bon marché mêlée à celle de sa sueur acide? Bah c'est un homme quoi, il est brut. Enfin y a homme et homme. Bref, je te comprendrai jamais. Pardon, excusez-moi, c'est votre collègue? Non mais y a pas de mal. Le pire, c'est que quand il embrasse, ses poils de nez vous chatouillent la lèvre supérieure. Oh, excusez-moi, je sais pas pourquoi je me livre à cette confidence. Parce que vous êtes... Oh mon Dieu, non. Une erreur, une grosse erreur qui appartient au passé et que j'essaie d'occulter. Bref, et vous? Qu'est-ce que je vous sers, mademoiselle? Un café, s'il vous plaît. J'aurais bien pris quelque chose d'alcoolisé, mais il faut que je garde ma santé d'esprit. Ma santé d'esprit? Bah comment on dit? Ni l'un ni l'autre, il me semble. Sainteté d'esprit? Mais t'es grave. Je te jure, c'est déprimant d'avoir une meilleure amie qu'à le QI d'un bulot. Hé! C'est quoi un bulot? Laisse tomber. Le QI d'une huître, vous voulez dire? Ah non, mais elle, c'est pire! Du coup, j'ai cherché un mollusque encore plus bas dans la hiérarchie sous-marine. Le bulot, c'est un gastéropode, il me semble, pas un mollusque. Non, mais on s'en fiche, vous comprenez ce que je veux dire. C'est quoi un gastro-entéropode? Bah, elle a raison, votre copine. Vous avez pas l'air d'avoir inventé la foudre, vous. Merci. La poudre, vous voulez dire? Bah, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit la foudre. Oui, bah, la foudre. Elle a inventé ni l'une ni l'autre, on est d'accord. Alors, ne me cassez pas les pieds, ma petite, sinon vous allez me faire regretter de ne pas avoir craché dans votre cappuccino. Pardon? Bah oui, c'est bien reconnu, hein. Toutes les serveuses crachent dans les boissons des clients chiants. Je ne suis pas serveuse, ma petite. Je suis barmaid, nuance. Parce que pour préparer un cappuccino, ça demande un diplôme particulier? Pardon? Ah non, 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 le prenez pas mal. C'est pas du sarcasme, c'est du premier degré. Elle posait vraiment la question. Oui, elle est niaise à ce point-là. Bah c'est grave. Et puis non, je ne crache pas dans les boissons des gens. Ça m'est bien arrivé dans ma jeunesse, mais plus maintenant. Je suis plus frontale, désormais. Et je m'offense moins facilement. Ça veut dire quoi? Je comprends rien. Quand j'étais plus jeune, oui, je l'admets, un client qui ne disait pas « s'il vous plaît » ou « merci » était sûr de retrouver une petite surprise flottée à la surface de son verre. Mais les temps ont changé. Ce qui n'était qu'exception est devenu la règle. La politesse est une denrée rare de nos jours. Et comme je préfère économiser ma salive... Et vous faites quoi du coup maintenant quand un client vous manque de respect? Quelque chose de plus radical. Mais il faut vraiment que ça soit un gros manque de respect. Mais encore? Bah, disons que j'ai des antécédents. Enfin, voilà, j'ai toujours une bombe d'autodéfense au poivre sur moi. Quoi? Vous êtes complètement cintré? Original, je préfère. Mais vous ne vous rendez pas compte du monde de tordu dans lequel il n'est pas rare que certains passagers soient très désagréables, voire même agressifs. Faut pas croire parce que nous sommes dans un aéroport que les gens sont hyper civilisés. Au contraire, d'ailleurs. Y'a qu'à voir dans le hall comment les gens s'appalent sur les sièges. Ah bah ça, y'en a qu'on perd de rien. Tout à l'heure, y'avait un mec en salle d'embarquement, avec sa femme et ses gosses, en train de se couper les ongles de pied. Oh, c'est dingue quand même dans... T'es là. T'imagines la femme qui tolère ça? Ton mari qui se taille les ongles en public comme un gros dégueulasse. J'ose même pas imaginer la vie sexuelle de ces gens-là. À mon avis, leur vie sexuelle, elle est loin derrière eux, hein. Parce que si lui doit pas vraiment l'exciter avec ses ongles de pied, elle avec ses 140 kilos et ses cheveux gras, c'est pas beaucoup mieux. Au fait, je vous ai dit s'il vous plaît en commandant mon café. Bah je sais pas, y a quelque chose qui flotte dans votre tasse. J'ai fini de boire, j'ai pas fait attention.
Et vous êtes pas marié? Je l'étais. Ah, vous êtes divorcé? Non, veuf. Ma femme est morte il y a 9 ans. Ah, je suis désolé. Elle était malade? Ouais, cancer du sein. Mais ce n'est pas la maladie qui l'a emportée. Elle était en rémission. Non, elle s'est fait décapiter par le rétroviseur d'un camion UPS en traversant en dehors des clous. Ah d'accord. Punaise, c'est moche ça. Et vous l'avez appris comment? Je l'ai pas appris, je l'ai vu. Ah, vous étiez là quand ça s'est produit? Je l'attendais de l'autre côté de la rue, on devait dîner au restaurant. Ah, ça a dû être terrible. Hein? Terrible, oui. On se retrouvait pour fêter nos noces de perles. Et noces de perles, c'est quoi? 30 ans. 30 ans de mariage. Et au lieu de fêter nos noces de perles, l'ironie du sort m'a mis à quatre pattes sur le bitume pour ramasser les perles du collier que je lui avais offert pour nos noces de porcelaine. Vous voyez l'ironie, non? Et noces de porcelaine, c'est... 20 ans. 20 ans de mariage. Ok. Là, le lendemain de son enterrement, j'ai reçu un bon de réduction de 50% chez UPS. Utilisable sur mes 5 prochains envois. Un bon de réduction pour se faire pardonner d'avoir décapité ma femme. Bizarrement, ça n'a pas fait jurisprudence. Bah tiens, je vais reprendre à boire, si vous voulez bien. Absolument. Vous arrivez, là, vous rentrez chez vous? Bah, ne soyez pas abrutis. On est en salle d'embarquement, j'embarque. Enfin, un peu de jugeote. Bah, non, bah, enfin, je vous en prie. San Francisco, dans 1 heure. Ah non, tiens, dans 20 minutes. Bon, alors, mettez-moi une double vodka. Ah, bah non, attendez, si j'avais su. Vous n'avez pas le droit de boire si vous conduisez après, hein. Enfin, si vous pilotez, je veux dire. Vous savez, ça fait 10 ans que je pratique l'alcoolisme. Et sans me vanter, je peux vous dire que c'est une discipline dans laquelle j'excelle tout particulièrement. Et ce n'est pas après une quadruple vodka que vous allez me voir m'écraser sur le sol. Si plus est, Frisco, c'est 11 heures de vol, tout droit, les yeux fermés. Si vous le dites. Ouais, puis si je devais m'écraser, je le ferais en beauté, hein. Pas dans un bar d'aéroport miteux. Et pas tout seul. Enfin, pas avec quelqu'un d'insignifiant, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, ça fait 6 ans que je suis sur l'A380. Et ça fait 6 ans qu'une certaine curiosité me pique. Qu'est-ce que ça fait quand un A380 tombe à pic dans l'océan Atlantique? Ça me titille, je ne sais pas pourquoi. Et de plus en plus ces derniers temps, bizarrement. Attendez, vous ne pouvez pas dire ça. C'est pas bien d'avoir des pensées comme ça. C'est-à-dire? Bah, des pensées suicides, enfin mauvaises. Mais encore. Non, mais enfin, je... C'est marrant que vous n'arriviez pas à prononcer ce mot, hein. Non, mais enfin, il faut pas. Qu'est-ce qu'elle dirait votre femme si elle vous voyait dans cet état? Bah, ma femme, elle avait qu'à pas m'abandonner. Elle avait qu'à tourner la tête avant de traverser. Dites pas ça. Je suis sûr que vous le pensez pas. Oh, j'en sais rien. Peut-être que je le pense. Oh, vous savez, je suis devenu un homme très aigri. Un vieil homme aigri et acariâtre. Et quand il n'est pas dans les airs, passe son temps devant sa télévision, une bouteille à la main, à regarder Louis la Breton en replay. C'est pathétique, non? Non? Quoi donc? Bah, vous ne trouvez pas ça pathétique? Non. Mais si, je vois bien, c'est ce que vous pensez, c'est naturel. Alors allez-y, dites-le que c'est pathétique. Bon, bah, ouais, c'est pathétique, oui. Oh bah merci de m'enfoncer, c'est agréable. Ah non, mais attendez, c'est vous qui... Oh, ne vous inquiétez pas, je ne vous en veux pas. Et si ça peut vous rassurer, selon une étude récente, un pilote sur 8 est dépressif. Mais tous ne passent pas à l'acte. Là, quand je suis en escale en Thaïlande, j'ai un fournisseur chez qui je trouve des petites pilules oranges. Alors j'en prends avant d'embarquer, comme ça... Je vois la vie en rose. Les nuages paraissent moins gris. Oh, ça va être l'heure, tiens. Attendez, vous avez bien le temps pour un dernier petit verre, non? Oh.
Votre attention, s'il vous plaît. Ceci est le dernier appel pour les passagers à destination de Dakar, vol Air France 718. Bon, t'as qu'à le larguer, là, au lieu de rester frustré. Comme ça, on pourra partir en week-end plus souvent. Je suis pas frustrée. Je suis très heureuse. Puis regarde, ce week-end, il est en déplacement, donc on en profite. Alors arrête de te plaindre. Mais c'est bien ce que je dis. Faut que t'attendes que monsieur soit en déplacement pour profiter de la vie. C'est super. Est-ce que tu crois que partir avec toi, c'est profiter de la vie? Traîner un boulet pareil, ça ressemble plutôt à du service civique. Non. Faut que je te laisse deux secondes. Je reviens tout de suite. Vous prenez ce que vous voulez, hein. C'est moi qui vous l'offre. Oh bien, merci, c'est trop aimable. Mais rapide alors, parce que mine de rien, on m'attend. Et puis, je n'ai pas tendance à prendre mes responsabilités à la légère. Ouais, ben allez, un petit whisky là, ouais. D'accord. Retiens-le, faut surtout pas qu'il s'en aille. Ben pourquoi? Je t'expliquerai. Bon allez, faut que j'aille aux toilettes. Tu sais très bien que j'ai horreur de poser mon séant sur les toilettes des avions. Classe! Mais... j'ai pas bien compris. C'est quoi ces histoires de week-end avec votre copain? Rien, c'est juste que comme il a des semaines assez chargées, assez stressantes, le samedi soir, il a besoin que je le laisse sortir avec ses potes. C'est une règle qu'on s'est fixée. C'est une règle que vous vous êtes fixée ou qu'il vous a imposée? Un peu des deux, c'est vrai. Mais je peux comprendre qu'il ait besoin de cette autonomie. Puis mon but, c'est pas de l'envahir. C'est quelqu'un qui a une vraie conscience professionnelle. Et il met l'accent sur sa carrière parce qu'il est très ambitieux. Du coup, il a des besoins à la mesure de ses ambitions. Et en tant que sa compagne, je me dois d'accepter ce que ça engendre. Oh là là, attendez. On n'est plus au 19e siècle. Qu'est-ce que c'est que ce discours? On dirait qu'il vous a fait un lavage de cerveau. Si son ambition, c'est de faire de vous une bonne petite femme au foyer docile et obéissante, j'ai l'impression que c'est réussi. Non, mais... il fait quoi dans la vie? Il est assistant parlementaire pour son oncle qui est député. Du coup, ce week-end, il est en déplacement dans la Creuse pour tenir une permanence demain matin pour recueillir les doléances des buralistes mécontents de la hausse des prix du tabac. Tu parles d'une ambition. Merci, monsieur. Vous voulez bien venir avec nous, s'il vous plaît? Eh oui, absolument, c'est à quel sujet? Je peux emmener mon verre? Oui, oui, allez-y. Bah, y a plus. Oh. Allez, s'il vous plaît. À votre casque. Et c'est samedi soir. J'en reviens pas, vous vous laissiez mener comme ça par le bout du nez. C'est tous les samedis? Oui, mais... et du coup, vous ne partez jamais en week-end? Non. Pas une fois en 7 ans? Ben... vous ne partez toujours qu'avec votre copine, en fait? Ben même avec elle, c'est que la deuxième fois. Parce qu'il préfère quand même que je reste à la maison le week-end. Il aime bien que je me lève pour lui préparer son petit déjeuner quand il arrive un peu joyeux le dimanche à 6h du matin. C'est notre petit rituel. Quand sa soirée se termine, il m'envoie un texto pour que je lui commande un Uber. Et quand il arrive, je l'attends sur le pas de la porte avec son café fumant et son croissant frais qu'il déguste avant d'aller se coucher. Non mais j'hallucine là. Il peut pas le faire son café? Non. Il dit que je fais le meilleur café du monde, qu'il a une odeur enivrante. Il est trop mignon, non? Tout ça pour justifier d'aller se pinter avec ses potes et éviter de partir avec vous le week-end? Et vous, vous tombez dans le panneau comme il couillonne? Pas du tout. Je sais qu'il y a un véritable respect mutuel entre nous et puis... les escapades en amoureux, c'est pas forcément ce que j'attends de lui. Alors justement, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que vous attendez de lui? Ben c'est vrai que là, on est arrivé à un stade où j'aimerais bien une sorte de concrétisation, je sais pas. Quel genre? Mariage? Bébé? Ben oui, les deux. Et vous avez abordé le sujet avec lui? Oui, enfin, plus ou moins. Oui ou non? J'essaye, mais il est pas très réceptif. En plus, il préfère que je prenne la pilule parce qu'il aime pas les préservatifs. Mais bon, ça me fait des effets secondaires un peu désagréables. Quels effets secondaires? Des nausées, des migraines. J'ai commencé à prendre un peu de poids, puis ça m'a fait pousser un peu d'acné aussi. Mais bon, c'est pas si grave. Comment ça, c'est pas si grave? Et vous dites que ce gars-là vous respecte? Mais vous le connaissez pas non plus. Bah, je vais vous le dire très clairement, vu le portrait que vous en dépeignez, ça ne me donne pas envie de le connaître.
Mais à côté de ça, il est très attentionné. Tenez, du coup, pour la Saint-Valentin, il m'a offert du Biactol et du fond de teint pour mes problèmes d'acné. Et puis pour mon anniversaire, comme il a vu que je prenais un petit peu de poids, il m'a inscrite dans une salle de sport et il a payé les deux premières mensualités. J'ai trouvé ça adorable. Il est plein de petites attentions comme ça. Mais bon, c'est vrai que malgré ça, notre relation progresse pas vraiment. Enfin, vous admettez une petite faille dans le système. Si vous ne lui dites pas très clairement ce que vous attendez de lui, il va en profiter. Et vous continuerez le Biactol jusqu'à la fin de vos jours. Et la pilule va tellement vous faire enfler les doigts que vous ne pourrez même plus y mettre d'alliance sur vos boudins. Comme ça, ça sera réglé. C'est ça que vous voulez? Vous avez raison. Mais je laisse le temps passer parce que j'ai l'impression que si je commence à revendiquer, je vais finir par fragiliser notre relation. C'est lâche, je sais. Mais non, ce n'est pas lâche. Que vous pouvez être navrante, ma petite. Ce sont les hommes qui sont lâches. Oh, hé, oh! Alors toi, la ramène pas, hein. Parce que dans le genre, t'es pas mal non plus, hein. Quand il s'agissait de coucher, il y avait du monde, hein. Mais pour ce qui était de m'inviter au resto, bref, ne dérivons pas. Vous voyez, les hommes pensent que tout leur est acquis. Notamment ce qui concerne les femmes. Si on ne prend pas les devants, ils ne se remettront jamais en question. C'est vrai. Si j'attends, il se passera rien. Bien. Si j'ai pu contribuer à vous ouvrir un peu les yeux, je n'aurais pas été complètement inutile aujourd'hui. Vous avez été très utile, merci. Et là, il va falloir que je vous laisse parce qu'on va pas tarder à embarquer. Merci de m'avoir écouté. Je peux vous faire la bise? Non. Et puis, arrêtez de me remercier. Les gens qui passent leur temps à s'excuser ou à remercier n'arrivent jamais à rien dans la vie. Soyez un peu moins sociable, c'est irritant à la fin. Au revoir. Mesdames et messieurs, nous vous informons que le vol AF94 à destination de San Francisco est retardé pour une durée indéterminée. Dis donc, j'aimerais bien que tu évites de parler de moi avec les clients. Hein. Surtout les indiscrétions sur nos rapports passés. Les indiscrétions sur nos rapports passés. Qu'est-ce qui se passe? Acheter un dictionnaire ou quoi? Oh, excuse-moi, mais elle avait besoin de comprendre que les hommes sont des gougnafiers. Et sur le coup, j'ai pas trouvé de meilleur exemple. Écoute, ça suffit. Hein. Je te signale que si t'es encore là, c'est grâce à moi. Comment ça? Tu plaisantes? Je connais pas beaucoup d'employés qui auraient gardé leur job après avoir aspersé au gaz lacrymogène un client, deux fois en plus. C'est pas du gaz lacrymogène d'abord. C'est une bombe d'autodéfense au poivre. Sois précis au moins. Oh, puis c'était il y a 2 mois. Je me suis tenue à carreau depuis, hein. Ouais, j'espère que tu l'as acheté cette saloperie. Évidemment. Pour qui tu me prends? Bon, qu'est-ce qu'il fait, le nouveau, là? Ça fait 15 jours qu'il est là, c'est déjà la 3e fois qu'il est en retard. Ouais, puis moi, j'aimerais bien prendre ma pause clope, hein. Ça, quand on parle du loup... Excusez-moi. La pile de mon réveil m'a lâché. Je suis désolé. C'est bon? Je peux y aller, chef? Ouais, vas-y, ça me fera des vacances. Mais c'est quoi ce bazar? T'as ramené ton appart ou quoi? Je suis vraiment confus. Je resterai plus tard ce soir pour me rattraper. Ouais, bon, ça va. J'ai horreur des lèche-bottes. Tâche de pas arriver en retard, c'est tout ce que je te demande. T'as de la chance, c'est calme ce matin. Promis, je ne serai plus jamais en retard. Et puis la prochaine fois, finis de t'habiller avant de venir aussi. Hein? D'accord, patron. Ouais. Mesdames, bonjour. Vous désirez? Un coca zéro, s'il vous plaît. Et toi, ma chérie? Pareil, tiens. Faut que je surveille ma ligne. Bonjour, mademoiselle. Vous désirez? Au moins, il a envie de travailler, c'est l'essentiel, hein. Un Perrier, s'il vous plaît. Absolument. Tout de suite. Au plus vite. Et si possible avec... Avec un zeste de citron et une paille, bien entendu. Oui, comment vous savez? Mais je sais beaucoup de choses. Comment ça? Je ne comprends pas. On se connaît? Mais oui, enfin Valentine, c'est moi. Ne me dis pas que tu ne te souviens pas de moi. Désolée, non. Mais enfin, on a fait toute notre scolarité ensemble, de la maternelle au collège, jusqu'à la fin de la 4e où tes parents nous ont séparés. J'ai eu le cœur brisé lorsque j'ai appris que tu quittais Toulouse pour Moissy-Cramayel. Comment vous...
Je suis navrée, je me souviens vraiment pas de vous. En même temps, la quatrième, ça commence à dater, non? Pour moi, c'est comme si c'était hier. Christophe, j'étais assis derrière toi, dans le cours de Mademoiselle Pivert, en moyenne section. Et je suis resté derrière toi jusqu'à la dernière heure que nous avons partagée. Le cours d'anglais de Madame Skinner, en quatrième, en juin 94. Ah oui, d'accord, ça me revient. Christian, mais oui, bien sûr, absolument. Non, Christophe. Ah oui, dis donc, quelle coïncidence. C'est pas vraiment une coïncidence. C'est l'histoire de nos destins croisés qui suit son cours. Pardon, je ne suis pas sûre pour le coup. Est-ce que je peux avoir... Moi non plus, je suis pas sûre. J'en suis persuadée. Le destin, il faut parfois le forcer, le destin. Mais souvent, ça vaut le coup. Comment ça? Lorsque j'ai appris que tu quittais la région, ça m'a traumatisée. Je ne dormais plus. Je refusais de manger ma soupe. J'ai fait agrandir une photo de classe prise hors de la classe de mère à la presqu'île de Crozon. J'ai collé ta tête sur mon doudou pour t'avoir toujours auprès de moi. Mais c'était qu'une maigre consolation. Et puis les choses ont empiré. J'ai commencé à me droguer durant le brevet blanc. Bref, mes parents m'ont emmené voir un psychologue, puis un psychiatre. Mais ils ne comprenaient pas. Ils me disaient « Mais enfin, Cricri, c'est n'importe quoi. À ton âge, on ne peut pas savoir ce que c'est que l'amour. » Bande d'ignorants ! Je leur ai répondu qu'à partir du moment où mes yeux se sont posés sur toi pour la première fois, j'ai été envahi par la puissance extraordinaire, mais destructrice de l'amour. Ils n'ont jamais cherché à me comprendre. Ils ne me prenaient pas au sérieux. Alors, j'ai voulu me venger. J'ai versé de l'acide chlorhydrique dans le café de mon père. Mais il s'en est rendu compte. Il m'a envoyé en pension et j'ai traversé une longue période de dépression. Et à 17 ans, lors des vacances d'été, j'ai volé la voiture de ma mamie alors que je n'avais pas le permis. Et après 7 heures de route, je suis arrivée à Moissy. Je t'ai cherché partout, mais je ne t'ai pas retrouvée. J'avais même la photo de classe de CE1 pliée en quatre dans ma poche. Et je demandais aux gens dans la rue s'ils savaient que je pouvais retrouver cette magnifique petite fille. Mais je ne sais pas pourquoi. Ils ont pris peur et ont fini par appeler la police. Mes parents sont venus me chercher au commissariat. Ils m'ont à nouveau fait enfermer dans un institut où j'ai subi des traitements électrochocs. Ça m'a beaucoup apaisée, c'est vrai. Mes accès de violence sont devenus beaucoup moins fréquents. Mais je me sentais toujours aussi seule, aussi malheureux. J'ai essayé de mettre fin à mes jours, à deux reprises, sans succès. Et c'est après cette deuxième tentative que je me suis juré que je te retrouverai un jour. C'était devenu ma seule et unique raison de vivre. Et puis enfin, le soulagement. Dieu m'a entendu. Mes parents sont morts dans un accident d'avion. Étant majeur, j'ai pu signer les papiers me permettant de retrouver la liberté dont on m'avait injustement privé. En tout cas, c'est vrai que j'aime bien siroter un scotch avant le processus d'embarquement. Ou je ne sais pas pourquoi, l'idée de prendre mon temps, laisser le gros du bétail se bousculer et s'avachir dans l'avion sans le moindre respect pour cet oiseau d'acier qui s'apprête à leur offrir une expérience sans égale et tristement banalisée. Laisser les enfants pleurer ou brailler et les parents, dépassant la limite de la patience, flirter avec la limite de la décence. Vous m'écoutez? Oui. Enfin, je repensais à ce que m'a raconté un client. Vous savez quelle taille ça fait, vous, un rétroviseur de camion UPS? Justine, dépêche-toi, on va rater l'avion! Ouais, tu fais chier, on n'avait qu'à prendre le taxi! Barbe, c'est toujours la merde! Tu arrêtes avec ça, tu accélères ou je t'en colle une! Ça engueule, ça remue, ça pue, hein? Mais quand j'embarque, bien la brise climatisée a chassé en partie cette puanteur et commence à laisser place à la légèreté de l'air pressurisé. Et tandis que je bifurque pour aller m'asseoir sur mon fauteuil de première, ma coupe de champagne est là. Elle m'attend, elle trône sur le plateau que l'hôtesse porte avec volupté. Toute fraîche, toute pétillante. Le calme étrange après le bouillonnement du terminal. Ça fera 14,50. Et après c'est parti pour 8h15 d'un repos absolu. J'adore cette sensation d'être dans les airs. Je dors mieux, plus paisiblement. Faut croire que ça me détend. Et il est des fois, souvent d'ailleurs, quand le capitaine annonce l'atterrissage... On dit commandant de bord, non? Tu Dieu, c'est vrai, oui. Mais il m'arrive de confondre, car il est tel le capitaine d'un vaisseau qui vous emmène dans une aventure extraordinaire à travers les nuages. Enfin bref, quand le commandant de bord annonce l'atterrissage,
Mais je regrette presque que le vol ne soit pas plus long. Eh ben moi, perso, quand je voyage avec Ryanair et que je m'emmerde à prendre le bus jusqu'à Beauvais avec ma femme et mes gosses pour un vol qui part avec 3/4 d'heure de retard, j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver à destination. Vous n'aimez pas voyager? Ben, c'est pas la question. Ça dépend des conditions. Et moi, j'ai pas les moyens de me payer un billet de première. Et encore moins à toute ma famille. Et d'abord, les compagnies avec lesquelles je voyage, elles n'ont pas la première, alors... Certes, ce n'est pas la même expérience, je vous le concède. Enfin, quoi qu'il en soit, même dans un aérogare, je me sens dans mon élément. Cette excitation ambiante, cet endroit de transit en ébullition permanente, c'est déjà en soi une expérience particulière. Je vous envie de travailler ici, vous savez. Voir le monde en mouvement, observer les gens dans cette précipitation, ça a quelque chose d'exaltant. Sentir le voyage, à travers les parfums des quatre coins du monde. Ouais, bah moi, la seule chose que je sens, c'est la transpiration. Parce qu'il fait plus de 30 là, et la clim, elle marche plus. Et du coup, dans chaque aéroport que je visite, eh bien, je m'arrête toujours avant de repartir. Je prends un petit temps pour mon introspection, ma réflexion personnelle, si vous voulez. Personnelle. Et ça m'est amené à faire des comparaisons. Des comparatifs, plutôt. Et le plus intéressant vous concerne, hein, puisqu'il concerne l'alcool. Le whisky, plus précisément. Je me suis amusé à comparer les différents whiskies proposés dans les bars des aéroports que j'ai eu le privilège de traverser. Alors, évidemment, j'ai commencé de manière assez désorganisée, comme vous pouvez le voir. Et puis, j'ai créé un tableau Excel dans lequel je les ai répartis en catégories. Alors, vous voyez, scotch, whisky, bourbon, brandy... Et puis, j'ai fait la découverte d'une invention extraordinaire. Facebook. Et c'est à partir de ce moment-là qu'un véritable espoir a réchauffé mon cœur en poussiéré. J'ai un peu honte de te l'avouer, mais j'ai piraté ton compte grâce à Théodore, un copain informaticien qui était à l'institut avec moi. Ses copains l'avaient fait enfermer parce qu'il pratiquait des expériences sur la sexualité des hamsters et des mulots dans leur cave. Bref, du coup j'ai pu suivre ton évolution, contempler tes photos. J'ai vu sur ton profil que tu travaillais pour un laboratoire pharmaceutique et que tu partageais ta vie entre Paris et les États-Unis. Et un jour, tu as posté une photo de toi avec un verre de Perrier en taguant que tu aimais bien prendre un verre avant d'embarquer pour les States. Alors je me suis renseignée et j'ai vu que les vols pour les États-Unis partaient du terminal 2E. Et là, j'ai tout fait pour trouver un job ici, dans l'espoir de pouvoir un jour croiser ton regard, de pouvoir un jour être à nouveau enivré par le parfum de ta chevelure de bronze. Et j'ai fini par me faire embaucher en tant que barman afin d'avoir l'honneur de te servir enfin ce Perrier, et d'y ajouter, avec l'amour que je te porte, ces petits zestes de citron et cette paille torsadée. J'ai décidé de vouer ma vie à t'apporter la perfection que tu mérites. Mais maintenant que nous sommes à nouveau réunis, il est évident que si ce job ne te plaît pas, je démissionnerai sur le champ et je ferai tout ce que tu me demanderas. Je reprendrai même mes études s'il le faut et tu seras fier de moi. Non, ce n'est pas une coïncidence si nous nous retrouvons aujourd'hui. Alors, qu'en dis-tu? De quoi? Eh bien, de tout. De tout ça. De moi, de la vie, de notre vie. Écoute, je m'en veux, mais je dois te faire patienter un instant. J'ai une toute petite vessie et je dois absolument aller aux toilettes si je veux éviter qu'il y ait un incident. Je dors ici depuis plusieurs jours parce que j'ai vu sur ton profil que tu repartais bientôt. Mais c'est strictement interdit, évidemment. J'ai dû user de stratagèmes extrêmement développés. Mais je voulais pas prendre le risque de te rater. Mais maintenant c'est bon. Tu es là. Tu ne vas nulle part. Hein? Oui. En France, par exemple, vous êtes assez raisonnable, puisque vous respectez la dose d'alcool pur de 10 grammes. Tout comme l'Australie, Singapour, la Pologne, étonnamment. Ou encore les Fidji. Or, 10 grammes, ça se traduit par 3 centilitres de whisky. Dites, ça vous dérange si je m'absente 2 minutes? Faut que j'aille uriner. Non, ben vas-y, mais t'es pas obligé de me dire ce que tu fais à chaque fois que tu t'absentes, hein. Police! La police, où est-ce que je peux trouver la police? Bah, y a pas la police dans l'aéroport, si. Enfin, j'en sais rien. Y a la police aux frontières ou sinon y a les militaires. Les militaires! Très bien, les militaires. Ils ont des fusils d'assaut en plus. Mais où est-ce qu'ils sont? Ah, ils font des rondes régulièrement, ils sont passés il y a 5 minutes. Ils sont partis par où? Par là-bas. Okay. Et donc ici, les 3 centilitres de Jack Daniel, ça me coûte 12 euros. Contre 10 dollars à Singapour, ce qui fait environ 6,50 euros. C'est cher, hein, la France.
Bon, remarquez, c'est pas donné chez nous non plus. Tenez, à l'aéroport de Charleroi, le godet de 2,95 centilitres revient pas loin de 10 euros. Tandis qu'aux États-Unis, où la dose légale est de 14 grammes, ce qui est énorme, je me retrouve souvent avec un verre contenant 4 à 6 centilitres d'alcool. Et puis, les tarifs sont assez corrects. Vous voyez, 11 dollars à JFK, 10 dollars à Chicago, et le plus bas, 8 dollars à Détroit. Mais faut être très vigilant, parce que là-bas, si je demande un bourbon on the rocks, dans certains aéroports, on me noie dans les glaces, sont tout à fait imbuvables. Vous faites quoi dans la vie? Je suis pétrochimiste. Hein? Vous foutez de moi ou quoi? Mais comment ça, mais pas du tout? C'est des conneries, ça n'existe pas. Mais je vous assure, ma chère, je suis technicien pétrolier, je travaille dans le pétrole. Pétrochimiste. Ah, le pétrole, ok. J'avais pas saisi, pardon. Mais il n'y a pas de mal. Et donc, oui, pour en revenir à notre sujet, j'ai aussi pu remarquer en voyageant que les Canadiens, les Portugais, mais surtout les Russes, étaient de très fervents consommateurs d'alcool. Ah, faites gaffe à ce que vous dites, hein. Parce que moi, je suis d'origine portugaise. Non mais, ne le prenez pas mal, ma chère, hein. Je ne fais pas de généralité, loin de moi cette intention. Bah, bref, de quoi parlions-nous avant que mon esprit bifurque sur ces thèmes quelque peu triviaux? Ah, je disais que cette semaine, ça a été dur pour moi. Avec la mort de ma mère, puis j'aime pas prendre l'avion, mais faut que j'aille chercher le pognon qu'elle a planqué aux îles Caïmans. Ah oui. Et de quoi est-elle décédée, sans vouloir être indiscret, bien entendu? D'un cancer du foie. Elle était alcoolique. Ça, vraiment, un fléau. C'est dommage qu'il y ait des gens qui ne sachent pas s'arrêter. Et, alors c'est votre maman qui était portugaise, du coup? Non, elle était d'origine russe. C'est mon père qui était portugais. Ah d'accord, je... Quoi? Vous insinuez que mes parents sont des alcoolos, c'est ça? Ah bah pas du tout, non, absolument pas. Ah bah vous auriez pu, parce qu'ils l'étaient. Tous les deux. Cancer du foie pour maman, et le vieux, il a planté sa 205 dans un panneau JC Deco en sortant du PMU. Bon... Oh bah, j'ai encore un peu de temps. Mon brave, remettez-moi un double de Jack Daniels. Hein. Oh non, plutôt les. Soyons fous. Un double de Talisker, là, votre 18 ans d'âge. Et vous êtes sûr, c'est pas donné. Oh zut, on ne vit qu'une fois. Hein. Et puis, il me fait de l'œil depuis tout à l'heure. 54 euros. Ah oui, tout de même. Oh, je suis sûr que je ne vais pas le regretter. Hein. Merci. Quelle robe. Oh, je vais le déguster, hein, celui-là. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. En raison de la découverte d'un colis suspect, le terminal 2 doit être évacué immédiatement pour une durée indéterminée. Ah bah non, mais pas maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Ça. Évacuez, s'il vous plaît. Évacuation, messieurs, dames. J'ai laissé ma valise là-bas. Évacuez l'aéroport, messieurs, dames. C'est pour votre sécurité. Monsieur, il faut évacuer, s'il vous plaît. Oui, 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 un instant. Hein. Non, monsieur, pas un instant. Oui, maintenant. Oui. Bon, d'accord, d'accord, c'est bon. Hein. Monsieur, s'il vous plaît. Bon, bon, j'arrive. Un instant, je réfléchis, j'ai le droit. Bonjour, je vous écoute. Un café de... Non, vous permettez, j'étais là avant. Un jus d'orange. Très bien. C'est quoi ce goût? Pardon? Ça a un goût extrêmement désagréable. Je ne sais pas, il n'est pas périmé en tout cas. Vous êtes sûr qu'il est bio? C'est du 100% pur jus avec pulpe. Mais c'est pas ma question. Ben non, il n'est pas bio. Comment ça, ben non? Je vous demandais un jus d'orange bio. Ah non, vous m'avez demandé un jus d'orange normal. Normal? Est-ce que pour vous, les oranges cultivées sous des nuées de pesticides, c'est normal? Je ne sais pas, mais c'est ce dont on a l'habitude en tout cas. Inconscient. Mais ça me paraît tout de même évident que si je vous demande un jus d'orange, je n'ai pas besoin de préciser que je veux du bio. Il faut vivre avec son temps. Alors j'ai un goût immonde qui va me rester dans la bouche toute la journée, merci bien.
Sans compter l'effet que les pesticides vont avoir sur mon organisme, je me sens déjà fébrile. Tout ça pour une gorgée, ça me paraît un peu disproportionné. Mais allez-y, mais essayez de me faire passer pour une folle pendant que vous y êtes. Et pas du tout. Vous en avez au moins du jus d'orange bio, c'est marqué sur votre carte. Et oui, on en a. Et je peux savoir pourquoi vous ne m'en avez pas servi? Parce que vous ne me l'avez pas demandé. Mais ça me paraissait tellement On va pas revenir là-dessus. On ne se comprend pas. Visiblement. Vous avez de quoi manger? Non. Enfin, on a des petits crackers. Et on fait comment si on a faim chez vous? C'est un bar, madame, ce n'est pas un restaurant. Excusez-moi, mais dans la plupart des bars, on sert également à manger de nos jours. Eh bien, pas ici. Mais vous avez un restaurant juste à côté, si vous le voulez. Je ne veux pas d'un restaurant. Je veux juste m'asseoir là, boire mon jus bio et manger un snack. Mais apparemment, c'est trop demandé. Sinon, vous avez une sandwicherie un peu plus loin, porte cas. Ouais, c'est extrêmement pratique. Alors, je fais quoi? Moi, je commande à boire ici, à manger porte D. Porte cas. Et si je veux des cigarettes, faut carrément que je change de terminal. Ah, il est interdit de fumer dans l'aérogare, madame. Je sais. J'essayais juste d'illustrer l'absurdité de vos propos. Décidément, vous allez de pair avec cet endroit où il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, c'est quoi vos crackers? C'est salé. Ça, je m'en doute. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'être désagréable. Je ne suis pas désagréable. Je suis juste excédée parce que vous m'exaspérez. Vous avez raison. Vous n'êtes pas désagréable. C'est ça, nos crackers. C'est sans gluten. Je ne sais pas, ça doit être marqué. Ben regardez, j'aimerais bien savoir. Contient du gluten. Dommage. Vous n'avez donc rien pour les gens qui aiment manger sainement. Il y a une enseigne bio qui commercialise des graines de cucurbitacées et séchées en sachet pour les bars et bistrots maintenant. Vous n'avez pas? Des quoi? Des graines de cucurbitacées et séchées en sachet. Pardon, mais je... Voilà. Laissez tomber, je ne sais même pas pourquoi je demande. Bon, vous le voulez toujours, votre jus d'orange bio? Évidemment. Les parents du petit Kylian sont attendus pour le récupérer au comptoir d'information de la porte L. Les parents du petit Kylian, porte L. Kylian, mon Dieu, où va le monde? Laissez, je vais le faire moi-même. Par contre, je suis désolée, mais il va falloir payer les deux. J'en étais sûre. Je m'attendais à devoir payer les frais de votre incompétence. Et mon incompétence coûte cher. 7€ pour le jus d'orange bio et 4,50€ pour le jus d'orange normal. Pardon, excusez-moi, pas normal. Le jus d'orange empoisonné par la quantité abominable de pesticides déversés sur les cultures d'agrumes. Donc 11,50€, s'il vous plaît. Excusez-moi un instant. Ça va, t'as l'air tendu. Oui, ça va. Ça va, merci. J'essaie juste de réprimer mes envies de meurtre, c'est tout. Ah, carrément? Si t'as un souci, faut pas hésiter, hein. Tu débutes, c'est normal d'avoir besoin de te référer à mon expérience. Des graines de cucurbitacées séchées en sachet. Elle est vraiment pas bien, celle-là. Excusez-moi. Ce n'est rien. Ça fait bizarre de vous raconter ça, mais je ne peux en parler à personne de mon entourage. Non, vous inquiétez pas, je suis barman, j'ai l'habitude de recevoir les confessions des gens de passage. Confession? Est-ce que ça veut dire que vous êtes comme un prêtre? Tout ce que je vous dis reste entre nous. Si vous voulez, oui. De toute façon, je ne vois pas à qui je pourrais aller répéter tous vos secrets. Hein. Bon alors, qu'est-ce qui vous tracasse? Attendez, ne brusquez pas, hein. Faut que je boive un peu. Je peux pas me livrer comme ça, Jean. Ah, d'accord, c'est quoi votre drogue? Ben normalement, un bon verre de Chablis, mais si on veut aller vite, j'ai un avion à prendre. Tiens, mettez-moi une double vodka. Ah ben, je peux vous mettre la vodka et le verre de Chablis, si vous voulez. Ben, le but, c'est de faire parler, pas de dégobiller. Bien reçu.
Bon alors, je vous écoute. Enfin, vous êtes pressé ou quoi? Faut mettre les gens en confiance avant de leur demander de vous livrer leurs secrets. Ah, d'accord, et comment je suis censé vous mettre en confiance? Bah, je sais pas, moi, livrez-moi un de vos secrets. Peut-être que par la suite, j'arriverai à vous livrer le mien. Attendez, j'ai rien demandé, moi. C'est vous qui voulez vider votre sac, là, pas moi. Alors, je vois pas pourquoi j'irais vous raconter un de mes secrets. Hein. Je vous dois rien. Par contre, c'est vous qui me devez 15 euros pour la vodka. Bah, vous perdez pas le nord, vous. Bon. Comme je vois que vous avez vraiment besoin de parler, je veux bien faire un effort. Merci. Laissez-moi réfléchir. Ah, il n'y a pas besoin que ça soit embarrassant, il faut juste que ça soit un secret. Un secret, oui, un gros secret. De quelque chose que pas ou peu de personnes savent sur vous, et si c'est embarrassant, ben c'est encore mieux. Bon, alors, allez-y, je vous écoute. Ah, bah, deux secondes, là, vous voyez, c'est vous qui me brusquez. Hein. Pardon, prenez votre temps. Bon, ben pas trop longtemps quand même, parce que je vous rappelle que j'ai un avion à prendre. Ça va, c'est bon, j'ai trouvé. Attention, soyez honnête. Si vous inventez, je le verrai. Vous êtes agaçant, vous. Vous me traitez de menteur par anticipation, maintenant? Mais non, allez-y. Et puis, je fais partie de la ligue d'improvisation de Chenevière-les-Louvres. Je mens tellement bien que même si c'était le cas, vous n'arriveriez certainement pas à le déceler. Bon, c'est ce que vous croyez. Bon, allez, on y va, maintenant. D'accord, alors... Chenevière-les-quoi? Quoi? Chenevière-les-Louvres. Mais c'est quoi, ça? Bah, c'est une ville. C'est là où j'habite. C'est à même pas 10 km au nord de Roissy. Ils font de l'impro, là-bas? Bon, bref, c'est sans importance. D'accord. Alors, au fait, c'est embarrassant ou pas? Quoi donc? Secret, embarrassant, dégradant, c'est encore mieux. Dégradant? Vous êtes vicieux, vous, hein? Mais, bon, vous me laissez parler, oui ou non? Bien, j'arrête, c'est promis. Donc, il y a de cela à peu près 2 ans, j'étais... Un shot! Pardon? Un shot, s'il vous plaît! Ah, d'accord, de quoi? N'importe, comme lui. C'est de la vodka, ça vous va? Oui. Oui, donc il y a environ 2 ans, j'étais à une réunion de ma belle famille. Tout le monde boit, se détend, et il y a une carte qui commence à passer de main en main, et les gens la signent. Un autre, s'il vous plaît. Donc je demande à mon beau-frère qui me passe la carte à qui elle est destinée. Et il m'explique que c'est pour une de leurs tantes, pour les 90 ans d'une de leurs tantes, que j'avais croisé une dizaine d'années auparavant, mais dont je me souvenais pas. Encore? C'est une horreur, je déteste prendre l'avion. Vous permettez, je suis en train de discuter avec monsieur. Pardon, mais je panique. Oui, bah, vous paniquez en silence. Alors la carte? Oui, donc, moi j'étais déjà un peu joyeux et je mets, je crois... bon anniversaire, tante Irène. 90 ans et toujours toutes vos dents, c'est impressionnant. Je vous embrasse, Gérard, le mari de Nathalie. Et quelques jours plus tard... C'est juste que je suis claustro, en fait. Et le fait de monter dans un avion, c'est... Enfin, ça m'est déjà arrivé de faire demi-tour alors que j'étais dans la passerelle. Je voyais l'hôtesse avec son sourire d'idiote en train de tendre la main pour prendre les billets. Enfin, d'habitude, je prends le train, c'est moi étouffant. Mais là, la Tunisie, c'est pas possible, quoi! Oui, on a compris. Oh, continuez à vous saouler, ça vous détendra. Mais arrêtez de jacter! Quelques jours plus tard? Je demande à ma femme où habite cette tante et s'il y a une fête de prévu pour ses 90 ans. Et là, elle me dit que c'était pas du tout une carte d'anniversaire, que c'était un mot de soutien, parce qu'elle est en phase terminale d'un cancer de la gorge à l'hôpital, et qu'en plus, elle a pas du tout 90 ans, mais 72 ans. Alors je lui dis ce que j'ai marqué sur la carte, et là, je me fais engueuler. Alors c'était pas de ma faute, j'avais fait qu'écouter ce que m'a raconté son blaireau de frère, quoi. Ah voilà, c'est tout. Bien, bah, vous ne mentez pas. Même si votre histoire n'a pas de chute, elle est embarrassante, donc ça va. Je reprendrai bien un petit pour la route. Enfin, pour la route, façon de parler, je n'ai pas mon permis, mais si je me sens un peu à l'étroit, je peux toujours baisser la vitre ou alors demander à la personne qui conduit de s'arrêter sur le bas-côté. Faut pas croire, hein, ils sont sympas les gens sur Blablacar. Y a pas que des pervers. Vous allez en Tunisie, c'est bien ça? Oui. Ouais, et ben vous prenez le TGV jusqu'à Marseille. Et de là, vous allez prendre le ferry jusqu'à Tunis.
Et comme ça, vous aurez une bonne vingtaine d'heures pour assouvir votre passion pour les spiritueux. Et puis vous arrêterez de nous emmerder avec toutes vos histoires dont tout le monde se fout royalement. Tu veux bien t'occuper de madame, s'il te plaît? C'est que je suis claustro. Parce que... panique, avion, Tunisie. Enfin, d'habitude train. Mais là, non, on peut pas, non. Ah oui, et puis... la tantirette, bah, à cause de la clope, elle avait la moitié des dents pourries et une quinzaine de couronnes. Donc 90 ans et toutes ses dents, bah, c'était pas bon non plus, quoi. Voilà, là, c'est fini. C'est bon, j'ai votre confiance. Un peu abrupte, la transition, mais bon. On va dire que vous l'avez. Bon, je me lance. Voilà, je suis marié depuis 34 ans, j'ai 3 enfants. Ah, félicitations. Oui, oui, merci. Seulement, depuis quelques temps, j'entretiens une relation avec une jeune femme. Oh, 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 dites donc, quel séducteur. Mais arrêtez de m'interrompre, comment voulez-vous que... Bon, arrêtez, elle est chef de cabine. Maintenant, elle est hôtesse de l'air. On s'est rencontrés sur un pareil Los Angeles. J'allais là-bas pour un congrès médical. Je suis chef du service néphrologie à Georges Pompidou. C'était un congrès sur la chirurgie rénale. Néphro quoi? Pardon, je suis pour les reins. Je suis médecin des reins. Quand vous avez des calculs, vous venez me voir. Bah, quand vous pissez rouge, quoi. Bref, on a beaucoup discuté pendant le vol. Je l'ai trouvée charmante. Et lorsque nous sommes arrivés à Los Angeles, il se trouve que l'équipage était logé dans le même hôtel que le congrès. On a passé 2 jours entre sa chambre et la mienne, et le congrès grand-mère. Ah là là, mais faites attention, enfin, vous mettez les pieds. Pardon, excusez-moi. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Un demi, s'il vous plaît. Très bien. De quoi? Pardon? De bière. D'accord, mais quelle bière? Je ne sais pas, n'importe laquelle. Que vous avez, blonde. Très bien. Merci. À ce point-là? Ouais, excusez-moi. J'en avais besoin, j'ai une journée assez stressante qui m'attend. Vous ne répondez pas? Non, pas envie. Le boulot? Si on veut. Et vous faites quoi dans la vie? Je travaille chez Pôle emploi. Ah. Non mais ne vous inquiétez pas, c'est pas la morgue non plus. Non, non, bien sûr, excusez-moi. D'ailleurs, moi, c'est par eux que j'ai trouvé mon job ici. Mais vous voyez, on sert quand même à quelque chose. Je n'ai jamais dit le contraire. Et j'ai même contribué à combler plusieurs postes vacants dans cet aéroport. Mais jamais au bar, donc vous n'êtes pas là grâce à moi. Comme ça, je n'aurais pas de scrupules à vous faire payer. C'est peut-être idiot comme question, mais je me suis toujours demandé quel était le féminin de barman. Barwoman, bargirl? Non, c'est barmaid. Barmaid? Bizarre. Je ne sais pas si c'est bizarre, mais c'est comme ça en tout cas. Maid, ça veut dire domestique en anglais, je crois. Ah, donc si on traduit littéralement, un homme qui bosse dans un bar, c'est un homme de bar, et une femme, c'est une domestique de bar. Ils sont vraiment très intelligents, ces Anglais, hein. De véritables visionnaires. Hé, je ne vous permets pas. Je vous taquine. Je vous en remets un. Vous avez l'air d'en avoir besoin. C'est très gentil, mais je ne préfère pas. Je dois rester alerte. Bah décidément, hein. Ils peuvent pas se passer de vous. J'en ai bien peur, oui. J'avoue que tout compte fait... Ah ben, c'est trop tard. L'offre a expiré. Vous êtes cruel, vous. Je plaisante. Non, mais vaut mieux pas. Faudrait savoir. Bon, allez, je veux bien. Mais seulement si vous trinquez avec moi. Ah, ça, non. Désolée. Même si conserver ma conscience professionnelle de barman n'est pas ma priorité dans ce bas monde, je ne préfère pas. Vous êtes sûre? Allez, pour m'accompagner. Non, non, vraiment, ce n'est vraiment pas négociable. Et puis, étant donné que les tubes de la tireuse ne sont jamais nettoyés, je préfère pas. Oui, tout compte fait, je crois que je vais m'abstenir également. Et sinon, vous travaillez ici depuis longtemps? Non, je travaille ici à mi-temps depuis le début de l'été. J'ai repris mon master d'anglais à la fac et je bosse ici pour payer mon loyer. Et c'est à la fac d'anglais, du coup, que vous avez appris le mot barmaid? Non, je le savais avant.
Et puis entre nous, je pense qu'il y a assez peu de personnes qui pensent que bar woman, c'est le féminin de barman. Enfin, en tout cas, si vous avez besoin d'aide pour vous orienter après votre master, bien, je peux vous laisser ma carte. Allez-y, décrochez, je crois qu'ils vous lâcheront pas. Oui. Qu'est-ce que tu fabriques enfin? Bah, je t'ai dit, je suis parti aux toilettes. Tu sais que de là où je suis, je te vois en train de siroter ta bière et draguer la barman. Mais je drague pas du tout la barman, c'est n'importe quoi. Et puis d'ailleurs, pour une femme, on dit barmaid. En tout cas, si tu crois que je vais m'occuper des trois gamins pendant que tu t'enfiles des bières au bar, c'est mal de connaître mon petit père. Alors pour la peine, tu viens t'occuper des enfants. Moi, je vais aller me faire plaisir au duty free avec ta carte bleue. Lucas est en train de me faire une crise de nerfs parce que je refuse de lui payer un paquet de M&M's hors de prix. Il est en train de se rouler par terre, j'ai honte. Ah, et puis il faut changer la couche de Ryan. Il a encore mangé des cerises avec les noyaux. Alors tu te dépêches. J'arrive. Cours le répit. Combien je vous dois? 6,50. Gardez la monnaie. Merci. Et bon courage pour votre changement de carrière. Merci. Et voilà, j'ai une famille, une femme que j'aime malgré tout, et pas parce que j'ai cette petite infidélité que je ne l'aime pas. Petite infidélité, 2 ans, c'est pas ce que j'appelle une petite infidélité. Mais je vous demande pas votre avis. J'ai essayé d'y mettre fin, mais elle veut pas me lâcher. Elle s'est mise en tête que j'allais quitter ma femme pour elle. Elle s'est créé tout un scénario, et puis moi, bêtement, j'ai continué à la voir. Vous êtes sûr qu'elle se l'est montée toute seule, son scénario? Vous l'auriez pas légèrement encouragée? Enfin, arrêtez, pas du tout! Maintenant, elle me fait du chantage. Elle me dit qu'elle va tout raconter à ma femme si je ne prends pas des mesures drastiques pour changer la situation. Là, elle est en stand-by à Rome. Je vais la rejoindre pour le week-end. Oh, bah, c'est pas une idée très lumineuse, ça. Hein. Deux amants qui se rejoignent à Rome, j'ai une petite idée de comment ça va se terminer. Hein. Non, mais ça suffit maintenant! Puisque je vous dis que je veux y mettre fin. Demain, je vais la rejoindre ce week-end pour lui faire comprendre que notre histoire n'a pas de sens, qu'on n'a pas d'avenir. Et qu'en gros, qu'il faut qu'elle me laisse tranquille. Mouais. Vous avez une photo que je vois à quoi elle ressemble? Ah ouais! Carrément en bikini! Beau châssis, hein? Et elle s'appelle comment? Laetitia. Elle m'a envoyé ça pour ma guichet. Je sais pas pourquoi, je la garde. Si, par pur orgueil, me dire qu'à mon âge, je peux encore plaire à une jeune fille bien foutue, la rendre accro, dépendante. C'est stupide. C'est d'une vanité absolument méprisable. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Ce qui m'angoisse le plus, c'est que je ne sais pas de quoi elle est capable. Bah, si vous voulez mon avis, vous êtes dans le pétrin. C'est pas un avis, ça. Bah, je sais pas quoi vous dire, moi. Bah alors vous dites rien. Et après ce week-end, là, c'est quoi la prochaine étape? À reprendre une vie normale, sereine. Ne plus avoir à craindre de recevoir un coup de fil inopportun. Trouver des excuses pour des déplacements prolongés. Bref, je ne peux plus mentir à ma femme, j'ai horreur de ça. Oh, je suis embourbé dans une spirale de culpabilité, je ne le supporte plus. Un coup de fil inopportun? Ben oui, du genre, allô madame, je suis la maîtresse de votre mari, il m'a dit qu'il vous quittait pour moi, 2 ans, ça commence un peu à faire long, est-ce que vous ne pourriez pas l'aider à se décider un peu? Les passagers du vol Air France 1404 à destination de Rome-Fiumicino sont priés de se présenter porte-eux pour un embarquement. Merci de m'avoir écouté. Ah, je vous en prie. Non, vraiment, c'est trop. Ah, si, si, j'insiste. Comme ça, j'achète votre silence. Madame, Monsieur, nous vous informons que le vol Qatar Airways 5545 à destination de Dallas est prêt pour l'embarquement porte A. Tiens! Regardez qui est de retour. Alors, ce break estival, ça s'est bien passé? Non. Bah,
T'as bonne mine pourtant, t'as l'air d'avoir bien bronzé. Mais pas du tout. J'étais dans les îles Fairway. On a été frappé par une tempête océanique dès le deuxième jour. L'hôtel a été inondé et j'ai dû jeter la moitié de mes affaires. En plus, un peuplier est tombé sur ma voiture de location. Et comme j'avais refusé de prendre l'assurance complémentaire, le sinistre n'était pas couvert. Mince! Je savais pas qu'il y avait des peupliers sur les îles Féroé. Oh, tu m'avais pas manqué, toi. Et pour couronner le tout, j'ai fait une intoxication alimentaire en mangeant du risotto à la baleine avariée. J'ai dû passer 10 jours à l'hôpital pour m'en remettre. Et j'ai été rapatriée par Europe Assistance. C'est tout toi, ça. Tu rentres de vacances, tu te plains. Au fait, merci de m'avoir remplacé ce matin. J'avais rendez-vous pour mes implants capillaires. D'ailleurs, ça s'est bien passé, la reprise avec la nouvelle. On n'en parle pas. T'aurais pu en choisir une moins tardée. Qu'est-ce qu'elle est lourdingue. Faut toujours que tu trouves à redire. De toute façon, elle est là jusqu'à la fin de l'année en intérim en attendant que la petite jeune revienne de son semestre à l'étranger. Et puis, elle travaille pas si mal que ça. Oh bah, c'est vite dit. Elle a quand même enlevé le bouchon doseur de la bouteille de vodka parce que ça la ralentissait. Elle l'a servi dans une chope à bière remplie à ras-bord avec ses 33 centilitres de vodka. Le client, pour le coup, il était ravi. Bon, elle est où d'ailleurs? Elle est partie en pause cigarette. Tiens, moi aussi je vais aller faire un tour. Ma fichue mal au crâne, l'autre. Ah, attends. Pendant que t'es là, je vais aller chercher des sacs poubelles à la réserve, ça te dérange pas? Non, vas-y. En plus, il fait une chaleur. Il est à peine 13h. Et tu empêches déjà des aisselles. Je t'avais pourtant offert un déo anti-hauteur au bicarbonate de soude pour Noël. Mais Noël, c'était il y a 9 mois. Et alors? T'es pas assez grand pour rentrer chez Auchan et t'acheter un stick de déodorant? Bon, lâche-moi, tu veux. Au fait, j'en ai appris un peu plus sur le jeune qu'on a eu en stage au mois de mars. Ah, et alors? Ah ben, et alors, mes soupçons étaient justifiés. Il dormait bien dans l'aéroport. Il paraît qu'il s'est fait courser à travers le terminal par les militaires. Il les avait agressés en leur balançant une bouteille pleine d'un liquide jaunâtre. Alors, il les a semés, mais ils ont fini par le retrouver 3 jours plus tard, recroquevillé dans un conduit d'aération. Apparemment, c'est là qu'il campait pour pas être repéré. Bon, on en reparle tout à l'heure, j'y vais. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Oh. Bonjour, un café, un stressé, s'il vous plaît. C'est vrai que vous soyez stressé, mais je peux pas y faire grand-chose, moi. What? No. Café. Un café? Parce que vous êtes stressé. En général, vaut mieux éviter. Non. Un café étroit. Ah, serré. Un café serré. Oui, exactement. Il fallait le dire tout de suite. Merci. Oh, je demande votre pardon. Je change actuellement. Mais je pique pas une guiche, moi, ma brave dame. Faites un effort. Sorry. Non à la coupe de café, finalement. Je suis très chaude. Bah, je vous en prie. Bah, gardez ça pour vous. Ça ne m'intéresse pas. Non, mais je suis très chaude. Oui, bah, j'ai compris. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette nymphomane? Je vais prendre la coke, si vous voulez. Bah, de mieux en mieux. Bah, vous croyez où? C'est pas Amsterdam, ici. Hé! Tu peux prendre la relève. Elle est complètement à l'ouest. Celle-là, je comprends rien à ce qu'elle me raconte. Ouais, d'accord. Madame, je vous écoute. Je suis chaude. Dès que ma collègue sera ravie de sa pause cigarette, on peut aller terminer cette conversation dans un endroit plus tranquille. What? Non! Vous êtes fou? Je veux une coke. Ah, je suis désolé, on n'a pas ça en stock, ma petite dame, hein. On n'est pas dans un coffee shop à Amsterdam, ici. That! Tu veux ça? Ah, un coca! Yeah! Eh ben, faut apprendre à parler français au lieu d'agresser les gens comme ça. Non, mais je rêve. Ras-le-bol de ces étrangers qui font pas d'efforts, là. Moi, je vais pas dans un pays dont je parle pas la langue. C'est pour ça que je suis jamais allé dans le Pas-de-Calais. Pardon. Mademoiselle, vous désirez? Mademoiselle? Merci, vous me flattez. Oh, bah, je vois pas en quoi c'est une flatterie. Qu'est-ce que je vous sers? Vous êtes bien aimable.
Un coca, s'il vous plaît. Tout de suite. Voilà, là, au moins, c'est clair. Je ne voudrais pas être un trouble pour vous, mais il me faut un papier serviette. Quoi? Alors, j'abandonne. Si vous avez besoin de papier toilette, allez aux chiottes. Non, mais elle m'énerve, là. Depuis tout à l'heure, je comprends rien à ce qu'elle me raconte. Non, mais je crois qu'elle veut juste une serviette. Ah. Dear Hugo. Jerk! Vous auriez pu faire attention, vous avez pris ma valise. Bonjour. Oui, c'est ça, bonjour, oui. Pardon? Bah oui, c'est ma valise, là. C'est pas la vôtre. Vous êtes sûre? Oui, merci, je suis sûre. Vous me prenez pour une conne ou quoi? Excusez-moi, c'est une erreur visiblement. Eh bien sûr, une erreur. Mais c'est dingue ça, vous auriez pu faire attention! Mais écoutez, calmez-vous, ça sert à rien de s'énerver comme ça. Je ne m'énerve pas, je suis très calme. Ah bon? Bah, on dirait pas. Hein. En même temps, on a la même valise. N'importe qui aurait pu faire l'erreur. Ça sert à rien d'essayer de vous dédouaner. Ne changez pas de sujet. Non, mais j'essaye pas de me dédouaner. C'est juste que je vois pas où est le drame. Le drame? C'est que ça fait une bonne vingtaine de minutes que je tourne dans le terminal à chercher ma valise. Non mais ça m'étonnerait, hein, parce que ça fait 5-10 minutes grand maximum que j'ai passé la sécurité avec ma valise. Peu importe, à cause de vous, j'aurais pu rater mon avion. Écoutez, je suis vraiment désolée, ça a dû se faire au duty free, j'ai pas fait attention, mais bon, regardez vous-même, nous avons exactement la même valise. Eh bien non, justement. Si vous aviez pris la peine de regarder, vous auriez vu que sur la mienne, il y a un signe distinctif. Ah. Le ruban rouge, là, sur la poignée. Ah oui, effectivement, j'avais pas remarqué. Bah, vous n'aviez pas remarqué. Excusez-moi. C'est inconcevable. Vous êtes complètement inconsciente. Oui, au moins, oui. Non, mais qu'est-ce que vous croyez que je l'ai fait exprès de me tromper de valise, que ça m'amuse? Mais vous êtes aveugle ou quoi? Attention. Si vous continuez à vous énerver comme ça, vous allez vraiment rater votre avion. Ne prenez pas ce ton condescendant avec moi. Je les connais, les gens comme vous, qui se croient supérieurs aux autres. Je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Je vous assure, vous feriez mieux d'y aller avant qu'il n'arrive quelque chose. Ouais, ouais. C'est une menace? Qu'il arrive quoi? Ça. Madame, monsieur, le vol Ouzbékistan Airways 6927 à destination de Tashkent partira porte C avec un retard de 3 heures et 20 minutes. Alors, t'as bientôt fini, on en a marre de t'attendre. Mais du calme. Oui, j'ai bientôt fini. J'attends que ma collègue revienne. Allez à la porte d'embarquement, je vous rejoins. Ok, mais on en a marre d'attendre. Oui, bah j'ai compris. Mais attendre ici ou dans la salle d'embarquement, c'est pareil. Sauf que là-bas, vous me feriez moins honte. Les cinquantenaires attardés qui partent en enterrement de vie de vieille fille, ivres, à 3h de l'après-midi, c'est assez pitoyable. Oh, ça va, hein. Si t'étais pas en train de bosser, tu serais ivre toi aussi. Ouais. Bah détrompe-toi, je vais me tenir, moi. Oh. Oh. Et c'est qui, cette jeune demoiselle, là? Quoi ça? Ma future belle-fille. Un ange, tu vas voir. La ferme. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Elle se prend pour Cendrillon, là, moi, bien sûr, chez la belle-mère démoniaque. Ta gueule! Oh, elle a du vocabulaire, la petite, hein. Hé, c'est pas ma faute à moi si ta mère est une traînée et que ton père l'a quitté. Bah, t'es affreuse de lui parler comme ça. Oh, attends. J'ai tout essayé pour me rapprocher d'elle. Je vais l'emmener faire du shopping un samedi après-midi. Un samedi après-midi. Je lui ai même prêté mon appart pour qu'elle fasse une fête avec ses amis. Résultat, elle a flambé avec ma carte bleue. Elle m'a laissé un découvert de 700 euros. 700. Tu crois ça? Elle a salopé mon appartement et elle me déteste toujours autant. Alors c'est fini! Pas me laisser pourrir la vie par cette morveuse! Bah pourquoi tu l'emmènes alors? Parce que c'est son père qui me l'a demandé.
Hein? C'est peut-être pas que c'est une de mes idées, c'est pas moi, ça. Hein? Merci, papa, pour l'idée à la con. Et puis, te plains pas, c'est lui qui te paye ton week-end de vieille peau parce que t'as plus une thune. Le mieux, c'est de faire comme si elle était pas là. Dès qu'on arrive à l'hôtel, on lui colle une bouteille de vodka et de... Red Bull. Ouais. Et elle nous foutra la paix. À cet âge-là, ils savent faire que ça, boire et être collé à leur iPhone. Ouais. Je ne comprends pas que tu fasses un mariage religieux à ton âge. Ça me dépasse. Ça vient d'où, ça? Sans compter que tu as prévu de te marier en blanc, alors qu'il est évident que tu n'es plus une première main. C'est d'un goût. Mais pourquoi tu parles de ça tout d'un coup? Parce que ça me choque. Mais je m'en fous, moi, de marier à l'église ou pas, hein? Tu sais ce que j'en pense de la religion, moi. La religion, comme disait Marx, c'est l'opium du peuple. J'ai eu le beau le répéter à mon père, mais il ne m'écoute pas. D'ailleurs, s'il m'écoutait, il n'épouserait certainement pas cette vieille grognasse décrépie. Ah ! Petite conne ! Oui, je suis décrépie, alors ? Il n'est pas d'une première jeunesse non plus, ton père ? Hein ? Puis c'est qui, Mars ? Moi, je regarde pas les télé-réalités. L'opium du peuple ? Mais heureusement qu'il y a encore des gens qui croient en l'union sacrée. Quoi que la tienne, ma pauvre amie, elle n'a pas grand-chose de sacré. Quant à vous, les jeunes, si vous écoutez, c'est l'opium qui deviendrait l'opium du peuple. Tous des drogués, comme à Woodstock. Qu'est-ce qu'elle a, la vieille réac, là? Mais continue comme ça, ma petite. Je vais te mettre une de ces calottes. Une quoi? Mais vis dans quel siècle, celle-là? Bon, allez, ça suffit. Fichez-moi le camp, je vous rejoins. Et toute ma vie, j'y rêvais, la vue aux têtes de l'air. Ah, tiens, bonjour! Ah, bonjour. Ah, vous êtes la petite demoiselle avec la jeune fille attardée, là. Ouais, c'est plus ou moins ça. Dites donc, j'ai l'impression que ça s'est arrangé. Avec votre fiancé, qui n'est pas votre fiancé, qui vous ruine vos week-ends, égoïste. Ou alors c'est le contraire. Vous avez enflé parce que vous êtes réfugiée dans la boulimie pour l'oublier. Vous avez une sacrée mémoire. Même si c'est pas très flatteur comme portrait. Racontez-moi. Vous lui avez tout lâché. Il vous a découvert sous un autre jour. Il s'est dit, cette meuf-là, faut que je fasse tout pour la garder. Oui, enfin, plus ou moins. Ça s'est pas exactement passé comme ça. Dites-moi alors. J'ai fait comme vous m'aviez dit. J'ai imposé ma volonté et j'ai arrêté la pilule sans lui dire. C'est absolument pas ce que je vous avais conseillé. Ah, mais vous inquiétez pas, ça va. Bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'incompréhensions quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Quand j'ai fini par lui avouer que j'avais arrêté la pilule, on s'est pas mal engueulé. Enfin, il m'a pas mal engueulé. Mais petit à petit, la tension est retombée, ça va mieux. Puis j'ai l'impression que ça l'a fait grandir, qu'il a compris que c'était l'étape nécessaire à notre relation. J'ai fait comme vous m'aviez dit. Je lui ai imposé ma volonté. Mais c'est tout de même sacrément culotté. Moi, je vous avais conseillé d'instaurer un dialogue d'égal à égal, pas de lui faire un coup en douce. C'est tout de même sacrément risqué. Je sais pas trop réfléchi à ça. Tout ça s'est fait de manière un peu impulsive. Mais j'ai le sentiment qu'on est sur de bons rails. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que la demande en mariage se rapproche. Comme une suite logique. Il y a des signes. Il est beaucoup plus attentif, beaucoup plus prévenant. D'ailleurs, il faut que je vous laisse. Il m'attend. Il m'emmène en week-end romantique à Florence. J'en suis à 24 semaines, je vais bientôt plus pouvoir prendre l'avion, donc on en profite. Très bien. Je sais pas trop quoi vous dire, moi. Je suis un peu abasourdie. Peut-être que je vais revenir de Florence avec la bague au doigt. Je me permets d'espérer maintenant. Merci encore pour vos conseils. Oui, y a pas de quoi. Un décal, s'il vous plaît. Dis donc, Eposclope, t'es 5 minutes, pas 20. Désolée, j'étais au téléphone avec ma magnétiseuse. Mais tu trouves pas? Mais pas du tout. Mais tu délires complètement.
Je t'assure que c'est lui. Excusez-moi. Oui. Je suis désolée de vous déranger, mais je voulais savoir si vous pouviez me signer un autographe sur votre serviette. Un autographe? Oui, si ça vous dérange pas, bien sûr. Et c'est pas grave si vous êtes essuyé la bouche avec, hein. Au contraire, ça lui donne plus de valeur. Mais pourquoi? Je comprends pas. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Vous êtes là, incognito. Excusez-moi. Non, mais si j'avais su, je me serais pas permis de vous aborder, hein. C'est juste qu'en général, les stars, si elles veulent passer inaperçues, elles portent des grosses lunettes noires et un chapeau. Subtil. Non, mais c'est pas forcément un chapeau, hein. Ça peut être une casquette, hein. En tout cas, je tenais juste à vous dire que j'aime beaucoup ce que vous faites. Écoutez, je suis désolé, mais... Je vous ai particulièrement adoré dans le dîner de cons. Attendez. Vous trouvez que je ressemble à Thierry l'ermite? Oh, mais non, oh, arrêtez. Vous êtes Jacques Villeray. Oh. Eh bien, c'est flatteur, ça, au moins. D'ailleurs, je crois qu'il est mort. Ah oui, dis donc, vous êtes prêt à tout pour qu'on vous fiche la paix, hein? Mais qu'est-ce que vous racontez? Je vous dis que je ne suis pas Jacques Villeray. Enfin, vous voulez que je vous montre ma carte d'identité? Oh, ben, ça veut rien dire, hein. C'est facile de s'en procurer une fausse de nos jours, hein. Mais pourquoi est-ce que je me... Et puis, c'est pas la question. Je ne suis pas Jacques Villeray. Et d'ailleurs, ça fait au moins 10 ans qu'il est mort. Ben non, j'ai vu un de ses films la semaine dernière sur France 2. Non mais, c'est qui cette folle? Eh, attendez, eh oh, mais c'est pas une raison, hein. Non mais, vous êtes sacrément à la masse tout de même. Je ne lui ressemble absolument pas. Dites donc, elle en tient une sacrée couche, votre collègue, là. Vous pourriez pas lui apprendre à se taire un peu, que je puisse déguster mon déca tranquille? Excusez-la, je lui avais pourtant dit que vous ne lui ressembliez absolument pas. Bon, ben, j'ai dû confondre, alors. C'est dommage. Si vous aviez été Jacques Villeray, ben, je vous aurais pas fait payer. Je trouve ça dingue. Alors, on offre toujours tout aux célébrités ultra riches, et les petites gens comme nous, on paye plein pot. Enfin, en tout cas, merci du compliment, hein. Vraiment. Attendez, c'est un bon acteur, quand même. Oui, bien sûr. Mais ça ne l'empêchait pas d'être moche. Alors, je suis désolé, ça n'est pas très agréable d'être comparé à lui. Ah. Non, mais attendez, c'est dingue, ça. Je viens ici pour boire un verre tranquille et je me fais insulter. Faut pas exagérer, je vous ai pas insulté, tout de même. Ah non, non. Vous m'avez tout juste implicitement traité de petit gros à calvitie. Mais c'est vrai, je ne vois pas où est le problème, c'est extrêmement flatteur. Écoutez, on va arrêter les frais. Je vous offre votre déca, ça vous va? Comme ça, vous n'êtes peut-être pas une célébrité, mais vous en aurez au moins les privilèges. Attends, mais il n'en est pas question. Il va payer. Pour qui il se prend, ce con, à monter sur ses grands chevaux pour rien, là? Et ça va, hein? Faut se calmer. Pardon? Ça suffit, va prendre ta pause. Mais j'en reviens. Fais ce que je te dis, va faire un tour. Non, monsieur, c'est pour moi, je vous en prie, c'est la moindre des choses. Vous voudrez bien excuser ma collègue, elle est vraiment... Ouais, y a pas de mal. On va dire qu'elle manque légèrement de finesse. Jacques Villeray, on me l'avait encore jamais faite, celle-là. En revanche, figurez-vous qu'on m'a déjà comparé à Antoine de Caunes. Oh, non, mais là, faut quand même pas exagérer. José Garcia, à la rigueur, mais... Oh, oh, pardon, monsieur. Oh, au revoir, mon vol, c'est sorti tout seul. Alors, il a payé? Bah non, évidemment. Va vraiment falloir que tu fasses un effort comportemental, ma vieille. Oh, écoute, j'y peux rien, hein. Je suis entière, moi. Bah, continue comme ça, tu seras entière et au chômage. Oh, ça va, hein. Il a qu'à se détendre un peu du slip, là. L'autre peine cul. Oh, ça suffit. Est-ce que tu peux être saoulante? Je vais finir par regretter Easy Fairway, moi. J'ai compris. Je sais pourquoi il s'est vexé. Je me suis trompée. C'est pas Jacques Villeray. C'est Gérard Jugnot. Mais t'as pas vu? Je me disais bien qu'il portait un toupet. Et c'est pour ça qu'il l'a mal pris. Bah quoi? Mmh.
informons les passagers devant voyager avec la compagnie Estonian Air que cette dernière vient de déposer le bilan. Merci de vous rendre au comptoir de la porte D pour de plus amples informations. Et t'es allé consulter au lieu de te plaindre tout le temps ? Bah oui, je suis allé voir mon médecin, mais il a rien pu me dire. Alors il m'a conseillé un ORL. Et alors ? Bah et alors, il m'a dit que... ça, a priori, c'était rien de bien grave, mais il a pas bien su m'expliquer. Du coup, il m'a conseillé un neurologue. J'ai pas très bien suivi. Qu'est-ce qui vous arrive ? Bah, j'ai des problèmes d'audition. Depuis quelque temps, j'ai du mal à distinguer les sons aigus. C'est pas un peu normal, ça, avec l'âge ? Bah, je te remercie, je suis pas encore grabataire. Non, bien sûr. Ouais, enfin bref, donc il m'a dit que ça pouvait être de la presbyacousie. Mais normalement, ça n'apparaît chez les hommes qu'après 60 ans. Mais vous avez quel âge ? 59 ans, hein. Alors j'ai paniqué, hein. Donc j'ai pris rendez-vous chez le neurologue en urgence et il m'a dit que dans le pire des cas, même si c'était peu probable, ça pouvait provenir d'une tumeur au cerveau. Alors j'ai passé un scanner ce matin, j'attends les résultats. Oh, ça va pas bien, je me sens fébrile. Oh là là, mais quelle petite nature! Tu vieillis, tu deviens sourd. C'est dans l'ordre des choses. Alors arrête de t'inventer des maladies. Ah non, mais attendez, c'est peut-être grave. Un conseil, ma petite, ne rentre surtout pas dans son jeu. Il y a 2 mois, il était persuadé d'être en train de faire une crise cardiaque. Alors qu'il s'agissait juste d'une crise d'aérophagie aiguë et que ses poumons pressaient sur son cœur. Un petit tour aux commodités et c'était réglé. Alors ça suffit, il commence à me fatiguer le malade imaginaire. Moi, j'ai un hallux valgus terrible, j'ai les oignons qui se touchent. Est-ce que je me plains ? Excusez-moi, vous savez à qui est cette valise ? Où ça ? Juste là, devant le bar. Non, aucune idée. Je l'avais même pas vue. Faut peut-être appeler quelqu'un. Bougez pas, je vais alerter les autorités compétentes. Alerter les autorités compétentes ? N'importe quoi. Alors que c'est juste un gland qui a oublié son bagage. Je vais l'ouvrir, moi. Tu vas voir. Bon, bah, je vous laisse, moi. Non, mais attendez, il n'y a pas une procédure à suivre dans ces cas-là ? Si. Il faut alerter la sécurité de l'aéroport. C'est eux qui décident si on doit prévenir les démineurs. Et puis quoi encore ? Ils vont faire évacuer le terminal, ça va prendre au moins une demi-heure. T'imagines pas les pourboires que je vais perdre pendant ce temps-là ? T'es sérieusement en train de penser à tes pourboires, là ? Et si c'est une bombe ? Tout de suite, le scénario catastrophe. T'en as vu beaucoup des bombes depuis que tu travailles ici ? Ah, il suffit d'une, hein. Vaut mieux être prudent. Je t'interdis de l'ouvrir. Oh, ça va, je regarde, espèce de sale mauviette. Mais attends, je suis ton chef de rang, tu dois respecter mon autorité. Ton autorité ? Laisse-moi rire. Mais tu te prends pour un chat de la brigade cinéphile, là ? Cynophile, vous voulez dire ? Oui, alors, tout ça, c'est pareil, ça vient des films policiers. Hein. En tout cas, ça sent pas les explosifs. Parce que tu sais ce que ça sent, toi, les explosifs ? Non, mais c'est n'importe quoi. Oui, je sais, figure-toi. J'en ai manipulé quand je bossais pour le Mossad. Quoi ? Quand tu bossais ? Bon, ah bah, laisse tomber. Va chercher la sécurité de l'aéroport, tu veux bien ? Attends, tais-toi. J'ai une solution. Je vais aller la déposer discrètement dans un autre terminal. Comme ça, au moins, on sera tranquille. C'est pas nous qui serons évacués. Non, tu ne déplaces pas cette valise. Non, mais ça... Ah ! Mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, je comprends mieux. Pourquoi tu voulais pas que je l'ouvre ? Hein ? Allez, à vous. À toi. Oh, très drôle. Bon, arrête de farfouiller là-dedans, referme ça. Ramène-la au PC sécurité, t'auras qu'à dire que tu l'as trouvée ouverte, comme ça, ils te poseront pas trop de questions. Non, attends, c'est trop drôle. Je propose qu'on la garde, et on attend de voir si quelqu'un vient la rechercher. Encore une fois, je vois qu'il est inutile d'essayer de te faire entendre raison. Alors écoute, tu fais ce que tu veux, mais tu ne me mêles pas à tes bêtises, hein. Moi, je vais appeler le neurologue pour voir s'il a les résultats de mes examens. Ça me stresse. Oh, excusez-moi. Ah, tiens, décidément, encore vous ? Oui, bonjour. Bonjour, ça va ? Vous avez l'air fatigué. J'ai eu du mal à vous reconnaître. Au fait, ça y est ? L'heureux événement est arrivé ? C'est une petite fille ou un petit garçon ? Hein ? Ah, oui, une petite fille.
Philomène. Ah, c'est... joli. Oh, toujours pas de bague au doigt? Il ne vous a pas encore fait sa demande? Le bougre, il exagère. Il m'a quitté 2 semaines après l'accouchement pour aller vivre avec ma meilleure pote. Donc ouais, on peut dire qu'il exagère. Ils couchaient déjà ensemble pendant que j'étais enceinte, apparemment. C'est pour ça qu'il était aussi attentionné. La culpabilité, ça fait des miracles. Oh, c'est pas possible. Attendez, votre meilleure pote, celle que j'ai vue, qui lit Public et Paris Match? Ouais, et Closer aussi. Ah, la garce! J'aurais vraiment dû cracher dans son café à celle-là. Vous buvez quoi? C'est pour moi. Un double espresso, s'il vous plaît. J'en ai pas bu pendant des mois à cause de la grossesse. Au fait, je ne sais même pas ce que vous faites dans la vie. Je bossais pour une ONG. Je me suis fait virer pendant mon congé maternité. Là, je viens de retrouver un poste d'attaché humanitaire au fin fond du Bénin. 12 heures de vol avec escale à Cotonou. Et la petite? La petite, elle est chez ma mère pour un mois, là. C'est combien pour la nuit? Pardon? Pour la nuit, quoi. C'est combien? Vous m'avez pris pour un tapin? Vous voulez que je vous colle mon pied au cul? Allez, couvez ailleurs avant que j'appelle la police. Oh, ouais, ça va, hein. Prute, celle-là. Et toi? C'est combien? Ah! Espèce de folle, là! J'aurai ta peau! T'as envie une sacre de dégueulasse? Je crois que j'ai perdu un peu le contrôle. Non, c'était marrant. Même si je vous en veux un peu, parce que s'il avait été prêt à monter jusqu'à 5000 euros, j'aurais peut-être cédé. Non, je plaisante, même si j'ai désespérément besoin d'argent. Vous ne direz rien pour le... Non, vous inquiétez pas. Et sans remuer le couteau dans la plaie, ça s'est passé comment, la séparation? La veille de la Saint-Valentin. Mine de rien, c'était assez élégant de sa part. Il m'aimait plus. Il a pas voulu jouer l'hypocrite en la passant avec moi. C'était assez courageux. Comment? Ben oui, je peux difficilement lui en vouloir. Il a un bon fond. Il a quand même attendu un peu après mon accouchement pour me quitter. Il a pas voulu me causer de stress pendant ma grossesse. Il était pas obligé. Ah non, alors là non, mais comment pouvez-vous continuer à trouver des excuses à cette ordure? Mais c'est de votre faute aussi, avec vos conseils à la con. Pardon? Oui, si je vous avais pas écouté, on serait encore ensemble. Alors, permettez-moi de vous rappeler que c'est vous et vous seul qui avez décidé d'arrêter la pilule sans rien dire. Alors, vous portez les cordes, je sais que c'est lourd, mais merci de ne pas me faire porter le chapeau. Faudrait peut-être pas pousser mémé dans les orties. Ah, excusez-moi, je dis n'importe quoi, je suis claquée. Mais je ne vous en veux pas. Vous me faites de la peine. Mais vous avez une responsabilité maintenant. Il va falloir vous remuer. Vous ne pouvez pas laisser votre fille pâtir de vos choix et de la lâcheté de son géniteur. Vous ne voudriez pas qu'elle finisse femme de ménage quand même. Oh, excusez-moi, Rosa. Connache. Et puis même si vous n'êtes pas mariée, ça reste sa fille. Alors, vous pouvez le faire cracher. J'ai pas pensé à ça. Je sais pas si ça vaut le coup. Bah, vous préférez passer votre temps en correspondance pour Cotinou et revenir voir votre fille avec le choléra comme seul compagnon? Non. Alors reprenez-vous. C'est pas agréable de vous voir comme ça. Vous êtes en train de vous gâcher. Vous êtes moche, vous sentez mauvais. Soyez digne, nom d'un chien. Ouais, je vais y réfléchir. Bon, je vous laisse, faudrait pas que je rate mon vol. C'est vrai. Allez prendre votre coucou pour le Togo, là. Non, c'est au Bénin. Et c'est Cotonou, pas Cotinou. Oui, bon, on s'en fiche. Ils ont les mêmes rituels farfelus. Allez, pas de chichi. Bon vol, ma petite. Ah, oh, elle me fout le bourdon, cette gamine. Ils arrivent dans 2 minutes, ils ont appelé les démineurs. Excusez-moi. Madame, enfin ma bonne sœur, enfin ma sœur,
C'est ma valise. Ah, ah très bien. Vous l'avez ouverte? Ah non, tout droit, ça devrait. Non, ce serait pas permis, non. D'accord, je vous remercie, que Dieu vous garde. Toi aussi. Enfin, vous aussi. C'était à elle, la valise? Bah. Vous l'avez ouverte, finalement? Bah, t'occupe. Bon, moi, faut que j'y aille. J'y cours à la Sorbonne. C'est ça. Vas-y, laisse-moi avec l'autre chochotte, là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Un verre de Chablis, s'il vous plaît. Vous allez bien? C'est bon. Tu peux prendre ta pause, je vais m'occuper de monsieur. Ah, c'est vous, bonjour. C'est marrant de se recroiser. Alors, vos problèmes extra-conjugaux, c'est réglé? Comment s'était passé le week-end à Florence, c'est ça? Ah, le week-end à Rome, vous voulez dire? Ouais, voilà. Bah écoutez, bien, enfin, pas trop mal. Donc, elle a réussi à entendre raison. Et du coup, la vie de famille? Papa? C'est tout. Ça va, je me sens mieux. Je respire, voilà. Ah ouais, bah, tant mieux, hein. Parce que d'après ce que vous me racontiez il y a quelques mois, c'était pas évident de lui faire entendre raison. C'est combien pour la nuit? Sympathique. Laisse tomber, va. Oui, alors, on lui a déjà expliqué que l'aéroport n'était pas une maison close, mais bon. C'est... Ah, il revient. Ouais. Non, mais les femmes, je te jure, hein, toutes des saletés. Les seules qui ont droit de m'approcher à partir de dorénavant, c'est les filles de joie. Les catins. Parce qu'avec elles, au moins, il n'y a pas de surprise. Je suis au courant, dès le départ, qu'elles en ont vraiment fric. Tiens, mais mets-moi une bouteille de vodka emportée. Je vous ai déjà dit que je ne pouvais pas vous vendre de bouteille de vodka. Pour ça, il faut aller au duty free. Et puis dans votre état... Moi, je la veux ici. Ça n'a pas le même goût que le duty free. Et qu'est-ce qu'il a, mon état? T'as un problème avec mon état? Ça va, il ouvre un peu sonné. Ouais, ça va, ouais. Rassurez-vous, j'ai la carcasse solide. Bon alors, pour revenir à notre histoire, ça y est, terminé, elle vous a définitivement lâché, quoi. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle a compris, voilà, c'est tout, hein. Bon, si ça ne vous dérange pas, je préférerais qu'on change de sujet. D'accord. Tiens, et vous, la tante Irène, là c'est bien ça, comment ça va? Vous êtes rabiboché avec votre belle famille? Ah, quelle mémoire! Eh ben, la tante Irène, elle a fini par perdre toutes ses dents et elle a cassé sa pipe, il y a un mois et demi. Alors, j'ai pas pu aller à l'enterrement, parce que sa fille croit toujours que j'ai écrit ce petit mot délibérément, malgré toutes les explications de ma femme pour lui prouver le contraire. Du coup, elle me prend pour le diable en personne. Et je peux dire merci à mon beau-frère. Henri Desmarais? Oui, c'est pourquoi? Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de votre maîtresse, Laetitia Ravelli. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Par ici. Mesdames, messieurs, ici votre commandant de bord. Notre temps de vol est estimé à 11h40. Avec une arrivée prévue avec 15 minutes d'avance, grâce à des vents favorables. Le temps à San Francisco est relativement doux. Tiens, vous pouvez observer sur la droite de l'appareil le hangar UPS de Bruyères-sur-Oise, avec les camions et leurs rétroviseurs. Ça me donne comme une envie de lâcher les commandes. Pardonnez-moi. Donc, temps clément à San Francisco,
18 degrés Celsius. Bonsoir, ma beauté. Ça n'a pas été évident, mais je suis tellement heureux de t'avoir retrouvée. J'ai été victime d'un malentendu. Apparemment, mon collègue Aubard m'a dénoncé parce que j'avais dormi dans l'aéroport et j'ai été renvoyé. Mais je me suis occupée de lui. Il ne pourra plus jamais nous séparer. J'ai dû changer d'identité et j'ai dû faire une formation de plusieurs mois pour retrouver ce job. Mais je n'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. Et je ne t'abandonnerai jamais. Dors bien, mon chaton. Fais de beaux rêves. On se retrouve à l'atterrissage. Ce n'est que le début de notre voyage.